Na pesi mbote mingi na balandi nyonso ya GKM Television na senga na bino lor moko bo sabonaka bo emaka bo la kakaton bilengi ya boye ezalaka na GKM Television boko zango nulle part ailleurs. Mes chers internautes, hier o ya lobby lekiza ki bongo mokolo oyo bazuzi ba prêta ki bongo serment liboso ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kastomola ki bongo le deux présidents ya deux chambres oyo bazala kité to ebité selo bongo balobi ke mokonza mboka a violé bongo constitution. Balobi pe sous que chef de l'état a otambola bongo kolandisa ma mobeko likondite. Alors to ki bongo libanda comment est-ce que population et gara qui était mokonza mboka du sud parlement ya ona tina wana bomori comment est-ce que je comme télévision avec molobenabino nevitoko moi na Congo que mon abongo procureur général ya UDPS expliquer biso na kati mobeko likondi est-ce que ezali facile na mokonza mboka a du sud parlement est-ce que présence ya jani mabunda na likita mwemamba ezali mabete. Mais comment est-ce que ça a été crise politique Oyo Ekota? Mme Mboka, procureur général, bonjour. Bonjour, papa, journaliste Ndeko Nangai. Merci beaucoup, Namoussala. Ozo Sala, Boza Ebelete. Oyo Boye Darabiso, pour te passer un message. Yangon Azo Sengaja Batou, bas s'abonner à la chaîne Nayo, massivement pour Balandarabiso. Santé Zamalamu, match Zakintunga. Et puis, na entrée de jeu, na pesi déjà Mbote Mingi. Na maman nga Angèle makangu lettre A grand pays Washington na kata Château Rouge grand modéliste. Merci beaucoup maman na yoka ki déjà ki na Lambert de Paris lokoza et puis na pesi mbote susu na maman Jackie Makese Mponi na kata Paris na ndeko nga Guilain Pembele na Luanda. C'est votre procureur général près le peuple de l'UDPS toko sola lelo ba question za yo ba réponse za ngai. Ma question est à la mituna est à procureur général. Procureur général, absence de Janine Mabunda, Alexis Mwemamba, na palais du peuple. Balobi que ezali violation, il y a constitution, violation, il y a mibe koli kondi. Nous souhaitons être procureur général au Tchadien on engenin. Et en tout cas, merci beaucoup papa. Il faut tout éclaircir Bayimboka sur le plan international. On a vu le terme hier. De ces pays retiendra que c'est à l'événement y a Fatou au pouvoir que le serment de la juge Yaba juge Yakou consolé qui soutenu appuyé par la population congolaise tout entière. Qu'est-ce qui se passe? Le pays fonctionne avec les lois. Le pays ne fonctionne pas au Kabila a dit aussi sinon tous est régi par les lois. Il y a la loi organique qui fait fonctionner le gouvernement et puis organiser le gouvernement. Dans son article 10, qu'est-ce que la loi dit? L'article 10 de la loi organique, barre 13/025, il y a 2013 et Zolo Baboye. Les juges de la Cour constitutionnelle sont représentés devant la nation congolaise, prêtent le serment devant le chef de l'État, et puis il y aura les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature. On a un pouvoir judiciaire et puis devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunit en congrès. Par là, je m'explique. Cela veut dire quoi? L'autorité compétente qui peut déclencher la procédure, c'est bel et bien le président de la République, Fatou Béton, le serpent double vitesse, l'aigle politique. C'est celui qui peut prendre ce serment en disant que non, oui, je prends acte comme ça s'est passé hier, oui, je vous confirme. Comme étant le juge de la Cour constitutionnelle. Pourquoi là-bas invité? Pourquoi? Parce que par là, je vais dire quoi? Le président Fatou, c'est une institution. Tambo Mwamba, il n'est pas une institution. Janine Mabunda, il n'est pas une institution. Premier ministre, il n'est pas une institution. Je mets tous les juristes en défi de me prouver le contraire. Cela veut dire quoi? Janine Mabunda est accompagnée par des députés. Tambo Mwamba est accompagné par des sénateurs. Premier ministre est accompagné par des ministres. C'est que ce sont des institutions collégiales. Leur présence, ou soit leur non-présence, nous sommes en présence protocolaire. Ça n'a aucun impact dans le serment de la juge.
parce que bako signer ata document mon côté il y aura le bureau du conseil supérieur de la magistrature c'est que le procureur général pour la cour de cassation il y a le conseil d'état bangone bakamba ka pouvoir judiciaire mais l'autorité au ekolba oui je prends acte de votre serment c'est le chef de l'état Fatou Bertrand comme ça s'est fait hier c'est que présence y a ta momba et sa présence protocolaire ça n'a aucun impact c'est pour cela que vous avez vu et puis les gens ont compris que le PPRD, le FCC, on a bien un front de criminels au Congo. Bangonde, bazoko bloqué intérêt général, balingi de population au émergé. Merci beaucoup Ndeko Nangai, yango mona kilobi makambo. Salemaki. Et puis bientôt l'ouragan arrive. Bientôt l'ouragan arrive. Ce qui présente, il y a deux présidents en chambre. Ils ont pris un protocolaire. Donc il y a qui l'a pas raté malgré ça. Mais pourquoi absence na bango et créer mon nungu la politique à Mboka na biso. Donc cela veut dire quoi? Nous sommes en coalition. La coalition ne veut pas dire que non, suspendre l'intérêt général de la nation. Pourquoi? Parce que Félix n'avait pas organisé les élections. Le président Fatty avait déposé sa candidature à la CENI et puis la CENI a proclamé Fatty comme étant président provisoirement, comme c'est la Cour constitutionnelle, mais et puis c'est le résultat définitif. La Cour l'a fait. Fayulu, indiscipliné politique, incapable de prouver à la Cour constitutionnelle là où il avait gagné des élections. Maintenant, tant que l'absence de Bango, tout la non-absence de Bango, cela veut dire quoi? Batouana, Bazalaki n'a pas ça, Bazala n'a contrôle la Cour constitutionnelle. Parce que Cour constitutionnelle, Naseni, ce sont des instruments Oyo, là où se repose le pouvoir. Je m'explique. La Cour constitutionnelle a comme rôle de valider les résultats de la CENI ou soit d'invalider les résultats. La Cour constitutionnelle vient dans la boni na kati ya Cape Town, il faut peut-être la nanga makasi. Et puis vient benvin de personne l'Angola, France. Donc cela veut dire quoi? La Cour constitutionnelle peut invalider ou soit valider les résultats de la CENI. La Cour constitutionnelle peut dire que Kabila est éligible ou soit inéligible en 2023. La Cour constitutionnelle peut interpréter la constitutionnalité de l'eau, ou soit l'inconstitutionnalité. La Cour constitutionnelle, c'est là où il y a le juge naturel du chef de l'État. La Cour constitutionnelle, dès lors que la Cour rend ses arrêts, les arrêts de la Cour sont inattaquables, irrévocables. Aujourd'hui, Président Fatou peut dissoudre, parce qu'il va dissoudre déjà l'Assemblée nationale. Pourquoi? Attends, on arrivera. Il va dissoudre l'Assemblée nationale. La Cour prendra acte. Maintenant, pour mieux battre, c'est ça la Kinine. Des juges na bango o batika ki na cour bazalaki batu oyo batiaki bango wana bona ba pesaka bazo la bango ba rapport mususu ba kontola ka cour. C'est pour cela on a vu le président de la République a nommé en conformément avec la constitution parce que le président Fatty a ebi numéro matricule ba juge te a ebi numéro pa matricule ya ba militaire te. Le président nomme les juges de la Cour constitutionnelle sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le mandat des juges de la Cour constitutionnelle sont inamovibles. Mais inamovibilité na bango, ça tombe caduque dès lors qu'un nouveau président prend une nouvelle ordonnance. Je m'explique, cela veut dire quoi? L'ordonnance nommant ces juges-là chez Kabila a été abrogée par une nouvelle ordonnance. En conformément parce que tout a été proposé sur le Conseil supérieur de la magistrature. Les gens qui dirigent le pouvoir judiciaire comme une institution indépendante. Tant que le président Fatty a permis de battre la cour de cassation, il y a un peu de temps. Il y a la cour constitutionnelle. Mais batindibino na cour de cassation, il y a la carrière à vie. Il y a une carrière à vie. Il y a une carrière à vie. C'est parce que il y a un plan machiavélique. Il y a un plan machiavélique. Mais Fatty l'a permis en conformément avec la Cour. Parce que l'histoire s'est répétée, c'est la jurisprudence, comme le juriste dit. Ça s'est passé aussi à l'époque de Kabila, quand il avait permis le procès à Banyankou de Kolongo na Oscar continuer la Cour de cassation, mon frère ami. Tu as mon bateau, on a violé la Constitution. Janine Mabunda est incapable de prouver là où le président Fatty a violé la Constitution. Parce que tant que Fatty a convoqué on a EIA, a tiré on a fait accompli. À l'air laissant, la Constitution va démontrer. Maintenant, comme il a procédé au Rwanda, tout le monde a été. Tout le monde a Janine Mabunda été. Ça n'a pas empêché le serment. Le serment a bel et bien lié. Le président a pris acte.
Déjà au moment où ils sont en train de parler, bah, juge Joanne s'est siégé. Maintenant, premier président de la Cour constitutionnelle. Il a remplacé Benoît Luamba. Tout le monde a dit professeur Kalouba Dibwa. Il a dit que Vital Kamerhe, que l'intellectualisme, c'est une classe des individus rares. À ne pas confondre avec le diplôme. Voire même en Europe, les intellectuels sont rares, ce sont des aspects moraux. C'est pour vous dire que non, c'est lui qui sera le président de la Cour constitutionnelle. C'est ce que vous préparez déjà le Kuala Bandaka là. Non, ce sont des juges qui ont Kabila qui ont fait sa chance. Parce que Kabila voulait à tout prix avoir le contrôle de l'institution Yamboka. Fati arrive au pouvoir, Fati libéralise les appareils judiciaires Yamboka, comme il est le cas aujourd'hui. La non-présence, ou soit la présence de Janima Bundete Momamba, ce sont des présences protocolaires, ça n'a aucun impact. Le président a eu acte de cette question. Tomoni, les autorités civiles, tant militaires, les autorités religieuses, les artistes, comédiens, musiciens, que nous félicitons. On a vu le soutien de la population congolaise. L'histoire retiendra, moi-même, la mémoire à RDC, que non, Navelma et Fatih, il y avait eu un serment aux acteurs appuyés dans la population. On a prouvé aussi aux députés du FCC que non, l'Assemblée nationale, c'est l'émanation de la population et non l'émanation de Kingakate et de Chelem. Il y a un vrai député parlementaire debout. On a la fin de la quitte à Kokonyangi, à Bécho, la fin de la quitte à Tamoumamba. Et puis, le président René, la fin de la quitte à Janine Mabunda, Sermé Zouakilie et Salemaki, l'ouragan arrive, nous avons répété déjà dissolution de Salemapo Anine. Parce que, dans le récent conseil de ministres, le président de la République avait instruit au premier ministre à son tour, parce que vous voyez la salle, il y a le conseil des ministres, c'est la salle Moko sacrée plutôt. C'est là où on prend de grandes décisions à Mboka. Quand on débat un problème, débat dans le gouvernement, débattit en conseil des ministres, c'est que Ezu aval, il y a gouvernement Mubimba. Le président a instruit au premier ministre. Le premier ministre à son tour, d'instruire aussi le ministre attaché au Parlement, afin qu'on puisse organiser la cérémonie, il y a prestation, il y a serment à juge. Le premier ministre n'a pas exécuté. Donc, Baïmbo Kabapé Sangamoua, Momatoï. C'est le procureur général pour le peuple de l'UDPS, parce que si on défend le valet et non les individus, le premier ministre n'a pas exécuté, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des sanctions administratives. Parce que c'est l'insubordination face au chef de l'État. Il y aura des sanctions administratives, l'insubordination face au chef de l'État. Automatiquement, ça poussera le premier ministre à sa démission. Le président Fatih prendra maintenant l'ordonnance portant démission du gouvernement. Le gouvernement doit être maintenant démissionnaire. Dans les lois organiques portant organisation et fonctionnement du gouvernement, en cas d'absence du premier ministre, ou soit en cas de sa démission, c'est le ministre précédent qui va jouer l'intérim. C'est le ministre Gilbert Kakonde qui va assurer les affaires courantes en devenant maintenant le chef du gouvernement. Automatiquement, il y aura la crise entre le gouvernement et le Parlement. Le président de la République va appliquer maintenant l'article de la Constitution qui lui donne le pouvoir. Tant qu'il y a la crise persistante entre le gouvernement et le Parlement, le président va dissoudre maintenant l'Assemblée nationale. Et puis, Okoyoka Eloko Salima. Et puis, Okoyoka Eloko Oyeko Salima. Tous les bongo, on a procureur général, il y a UDPS. Tous les précisément, on a 10e limité résidentielle, la permanence, il y a UDPS. On a profité de la merci, il y a apôtre Gérard Kabea Tchovo, apôtre Papa d'Amour, il y a Mouté Mamounene, le prophète John Persine à Londres. Na pèse encore merci mingi na yemoko papa de papa John Percy Longona maman Madame Madeleine Véronica Meta mona tuke balobi $100 c'est quoi procureur général Janine Mabunda a quitté Alexis a quitté Tambwe Mamba. Est-ce que absence na bango FCC a suggéré bino ba dictateur a gouvernement ou gouvernement dictatorial ba président Fatih aza dictateur par rapport à Ouajosala. Plan Nabino, il y a dissolution parlement et Banaki Banakala avant une prestation serment, il y a un juge. Nyonsoana, Malobaya, Bato FCC, qui est un dictateur. Je connais ce que je veux dire. Mais, papa journaliste, est-ce que Lelo, parce que tu l'as dit communiqué à FCC, avant serment, il y a un juge lobby.
Les FCC ont fait une déclaration disant que non, nous appelons, nous mettons en témoin la communauté internationale que le président Fatou puisse respecter son serment constitutionnel. Mais les gens de FCC ne peuvent pas devenir des donneurs de leçons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on sait quand Kabila était aux commandes, parce que Kabila avait présidentialisé les institutions de l'État. Kabila avait militantisé les institutions de l'État. Mais aujourd'hui, Fatou arrive au pouvoir. Fatou sépare les institutions parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Il y a la décentralisation du pouvoir. Tout ne dépend pas au président de la République, soit du président de la République. Il y a les attributions par rapport à l'institution. Quelle était votre question? Excusez-moi. Quelle était votre question? Ma première ma question est celle-ci. Poursuivons la procédure. Comment est-ce que la politique d'être peut être centrée de se dérouler? Quand la coalition FC Kachinabino, il y avait des promesses qui étaient promises. Comment est-ce que vous avez dit que vous avez dit FC Bandimango? Est-ce une dictature? La coalition ne peut pas suspendre les intérêts généraux de la population. Le problème avec les gens du FCC, c'était quoi? Elle pensait que si le président Fatou coalisait avec eux, il allait suspendre les intérêts généraux. Alors ce n'était pas ça le cas. Comme dans la Constitution, il n'y a aucun article qui nous donne la cohabitation. Le chef de l'État que vous voyez, c'est un respectueux des textes, c'est un démocrate. C'est pour cela que le président Fatou avait vu mieux d'aller à la coalition pour privilégier l'intérêt général de cette population. Maintenant, comme le FCC, il y a intérêt à des partisans, des intérêts personnels, c'est pour cela qu'il y a des couacs jusqu'à preuve de côté de la coalition. Parce que nous sommes tentés de prôner la population congolaise, mais on va se prôner l'intérêt à un individu Kabila. Dictature Namboka O et Bato FCC Bakoro Lobate. Kabila est le père de la dictature. Le front des criminels au Congo, le FCC en sigle. Tous ces gens-là, ce sont des terroristes. Nous avons perdu des Congolais dans ces pays pour avoir ces élections ici. Ceux qui ont moni, Bazol n'a pas comme ça président ou comme ils ont le kouta. C'est parce que Bazako s'est retrouvé. Posons-nous la question. L'armée est apolitique. La justice est indépendante. Mais comment besoin de Kaboulatina ba généraux? Parce que l'armée est apolitique. La coalition, cela ne veut pas dire auto Kaboula ba juge. Non. C'est parce que Bazu contrôle la cour constitutionnelle. Alors leur mission était quoi? De reconquérir la majorité en 2023. Si ils avaient les deux juges là, la cour constitutionnelle. Le quoi Bazu bangote, yango moni crainte na bango. Et pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle a le poids de dire que Kabila est éligible soit inéligible. Ndekonanga nazoye bisayo, il y aura des sanctions. Fatou n'est pas un dictateur. Prévenez le Sphinx, mon mentor politique Étienne Tshisekedi de Wamulumba, a fait une liste de la non-violence. À l'époque, le président Poutine, devoir de mémoire, à l'époque, le président Poutine avait voire même demandé à notre opposant historique Étienne Tshisekedi a doté voire même de munitions. Pour qu'on renverse le régime de Kabila, tu sais qu'il avait refusé pour dire que non, nous avons milité pour la non-violence. Mais les lois, il y a une casquette de la dictature. Là, il y a un discours. Tant que chef de l'État a eu le pouvoir, il y a une marionnette à Kabila, il y a un président protocolaire, c'est un président patin, il ne dirige pas. Nous avons trois présidents. C'est voilà, là, c'est un indiscipliné politique, Fayulu et Lisanga Bonganga, pour avoir raté le poste ministériel au gouvernement Oebimaki. Parce qu'il avait déjà accepté Fatou comme le président. En quittant seulement, tant que Neki Kano, dans l'Égypte, à se retrouver dans le poste ministériel, tout le trois présidents. Aux hommes, le langage est changé. Il y a un indiscipliné politique Chadari. Oh, c'est un dérive dictatorial qui arrive. Nous allons se poser à la dictature. Aujourd'hui, ces gens ne peuvent pas devenir des donneurs de leçons. On sait ce que ces gens l'ont fait aujourd'hui. Lelo Oyo, Fatou avait dit, nous n'allons pas arrêter des gens. Mais la justice, comme étant une juridiction indépendante, la justice fera son travail. Si tu as des dossiers X ou Y, tu seras interpellé à la justice. Parce que c'est une juridiction indépendante. Attendons ce qui va arriver. Déjà, lobby, lumbe, lumbe, mote, 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 zopela. On a suspendu le conseil de ministre. Il y aura le message adressé à la nation. Moukolo Morazole, la parce que nous avons appelé ce qu'on a fait, nous avons piqué la crise dans Kingakati. Nous avons dit que le premier ministre a transféré dans le CMK,
lobby au mokonza mboka ko beta soko ko pesa ngape mongonga na panza parce que naza suivi mingi mingi et pas papa Sam na kati na New York et pas maman nanga Angel Makengu na kati à Paris na Château Rouge. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le chef de l'État a suspendu le conseil des ministres de demain pour une date ultérieure. En français, c'est une suspension sine die. Cela veut dire quoi? Le conseil des ministres est en train de se. Et vu qu'est-ce qui s'est passé? Il y a trois points que je peux cibler. Parce que je suis le communicateur des investigations, j'ai déjà les informations. Le président de la République, il est dans le point de dissoudre l'Assemblée nationale. Ok, général. Léon Kengwa Dondo, ancien président Sénat, Nabavandakina, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabang, président honoraire, Beti du Solo, il y a 40 conseils des ministres. Et Betamaki Mingi, 40 conseils des ministres. Tu es bité, tu es bien, si tu es pour vendre, tu es pour le conseil des ministres, ça ne va pas te compter ton dégain. Merci beaucoup, c'est une question tellement pertinente. Il y a une émission, on ne peut pas s'abonner à l'Arabie Saoudite, tu es bien, tu es bien, tu es bien. Parce que nous sommes devant le temple de la démocratie. Là où nous avons, là où nos martyrs sont tombés dans les régimes, il y a répression. Mais le problème est que Kabila, il ne maîtrise même pas ce qu'il est en train de dire. Fati a instauré un mode de leadership extraordinaire au sommet de l'État. Comment? Il y a un conseil de ministres. Ce qui n'était pas le cas hier. Kabila prenait d'autres décisions sans pour autant consulter le gouvernement débattu en conseil de ministres. Mais aujourd'hui, l'enfant de Thiem Tshisekedi wa Mulumba, les sphinx de l'humanité, Mukongo Nzoko, le Bessengande, l'opposant historique, Fati, a commis ici, mode législatif, il y a un conseil de ministres extraordinaire. Chaque vendredi, il faut gouverner ce siège, basé sur la directive de Mboka. Mais Kabila prenez d'autres positions, sans pour autant à consulter Bachadar et Baminako tout consort. Il restait à Kingakati en train de prendre les chanvres, envoyer Minaku et Chokitundu pour prendre les décisions. Ou est-ce qu'il y a une opportunité de se faire une volonté volonté à la population? Cela veut dire quoi? Kabila c'est qui est? Alors, il y a 40 conseils des ministres. Thomas Loa Kazala qui est dans la salle, journaliste. Kabila ne maîtrise rien. Kabila vient dans la brousse, Kabila n'est pas un politicien, Kabila c'est un tiroir, Kabila a zamoutou moko, oh, il va venir comme le discours. Kabila a 18 ans. Ah, a dirigé pendant 18 ans. Mais Kabila est bagata au lata, t'as dit que tu as fait un lata, moi, je suis pour toi, Kalajika. Donc, on comprend que non, le pays a été détruit. Mais le problème, c'est quoi? Ma camozongi n'anjela. Kolobateko, ne to sali yangonde ko dissous dans l'Assemblée. Non. Le président de la République, il a le pouvoir de constater que non, l'Assemblée nationale ne permet pas, ne facilite pas la tâche, à la population. Le président peut prendre la décision de dessous de cette Assemblée nationale. Mon frère ami, c'est ça le problème. Il y a un peu qui lumbe, moté, lobby, moukolo, moukazole là. Si on a éclairci, on a venu à Donis depuis le Canada, à Montréal. Ayo kababiloko, pourquoi? Parce que ma bezo ya l'ouragan arrive. Et puis, na maman, on a la 4 Salman, mais il y a autant à comboter parce que ma bezo ya là. Il y a un peu qui, qu'est-ce qui va se passer? Flash, flash, flash. Dissolution de l'Assemblée nationale, remaniement du gouvernement. Et puis, ami balé. Il y aura des élections anticipées. Tout le monde a organisé l'élection. Ministère intérieur. Pourquoi? Parce que Sénie Zan a contrôlé la bataille FCC. Qu'est-ce qu'elle a là organique à Sénie Zoloba? Tant qu'il n'y aura pas un nouveau président, le président là restera d'abord en fonction. Déjà, il y a des ambassadeurs extraordinaires pour une poste. Au passage, j'ai ma bolé, excusez, n'a ma belé à RDC. Pona, au passage, j'ai accrédité ma belé pour soutenir chef de l'État et puis n'a conseil. Il y a Nations Unies qui a déjà doté ma matière sur le ministère intérieur, qui a organisé une élection anticipée. Enfin, tous les députés à solo, représenter la population à solo. Parce que ceux qui ont organisé l'élection anticipée, Daniel Safou, ma députée,
c'est un médiocre de député. Aussi, Ngoy Kasanji, un insensé, un indiscipliné. On salue déjà le premier président de la Cour de cassation qui avait souhaité que Baba Ndako bénéficie de l'immunité dans l'hémicycle. Libanda base à la traiter le quoi Mutunyoso, c'est ça l'état des droits. Au moins, il faut que le quoi sali lobby. Moi, je suis politicien. Je suis dans la politique. Tous les signes en politique comptent. Fachi lobby à Tchakiboui. Cela veut dire le peuple a gagné, la victoire est certaine. Et tiens, c'est ce que doit Mouloumba la Mouka qui est l'Assemblée nationale lobby. Telle démarche à Fachi lobby. Na tapis rouge, démarche à combattre. Attends, on a qui n'en dit là. Quand on a qui m'a bé, Okoyo ka Fachi a bimino bi a Tchaboui. Fachi de pas comment président na Tchaboui était. Mais lobby a Tchaboui. Cela veut dire que non, le peuple est plus fort que la bombe anatomique. Le peuple a gagné, le peuple a eu sa victoire. Ma bézo zala parce que lobby. Nous avons eu Kabila la type Pampex, crise. Na FCC, quand tu sous réunion, nous avons dénoncé que nous avons eu showbiz. Nous avons eu le Kangabou. Deuxième réunion. Et nous avons eu de l'autre côté. Le serment, il y a un chef de l'État lobby. Oui, je prends acte. Je vous confirme comme étant le juge de la Cour constitutionnelle. Crise. Donc, il faut comprendre que non, je suis délibéré. Fachi, c'est un politicien. Fachi a maîtrisé Kabila dans le silence. Fachi a destitué Kabila de toutes ses forces. Yoka Martin Fayulu, on a eu le pouvoir en 12 ans, on a Kabila en 13 ans. Politique à bébé, na Arménie. Mais Fachi a eu la réforme de l'armée. 90% de les généraux importés à Afdel, Libanda. Fachi, Zambabata Fachi, a rebattu la Fachi. Fachi a récupéré la Cour constitutionnelle, l'appareil judiciaire, sans protase à la majorité parlementaire. Bon, maintenant, Fachi m'a beaucoup. Il y a un monde qui va comprendre. Le peuple a gagné, l'IDPS a gagné, la population congolaise a gagné. Merci beaucoup de Konangaï. Procureur, question en tout cas. Avenir, il y a FCC Cash. Selon le procureur, avenir, il y a coalition FCC Cash. Tu es en 2020 aussi là. Fachi avait dit ceci. Nous allons déboulonner le système et non la personne. Pourquoi? Parce que dans le système, en fait, Kabila n'était plus au pouvoir. Maintenant, tu vois, Kabila est bloqué. C'est parce qu'il y a un système dictatorial. Maintenant, Fachi est un politicien. Alobi, nous allons déboulonner le système dictatorial. Dans le système, il y a le détournement, il y a la fraude, il y a la corruption, il y a les arrestations arbitraires. Mais aujourd'hui, il y a les avancées démocratiques. Pourquoi? Parce que depuis que Fachi est au pouvoir, il n'y a plus d'exilés politiques, il n'y a plus de prisonniers politiques, il n'y a plus d'arrestations arbitraires. Bientôt, là, l'agence de la lutte contre la corruption attachée à la présidence, on a dénoncé plus de. Ils ont fait plus de 12 dénonciations. Il y a la corruption. À bientôt, justice à Kosala, l'auto-saisine de la justice pour nous recouvrir dans le dossier. L'avenir, il y a FCC, ils sont sombres. Leur avenir appartient au passé. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Kabound, Akabound, a dit ça qui est les Jésus que vous voyez. Vous ne le verrez plus jamais. Fachi Longi, Fachi Zamolongi, Fachi c'est un politicien, a maîtrisé Kabila dans le calme. Kabila n'a qu'un amité, mais Kabila a des situations sur toutes ses forces. Il y a un aï, il y a un aïe, des mandats pour Fachi Zamouke. 37 ans, au sein de la liste, soit 37 ans fois 10, tout ça a 370 ans à pouvoir. Chadar, Chadari. Maître Kimono, Abi Bobangi Saïté, Abi Moutorobangi Sabi Sauté, quel que soit vos PC Bajich Place, quel que soit vos Zimboko Likolo, Moutorobangi Saïté, procureur général Andara Chadari Mingi. Répondez-nous, Chadari. Chadari, c'est un indiscipliné politique. Chadari ne maîtrise pas la matière. Vous pensez que si l'IDPS était au pouvoir depuis longtemps, là, des gens comme de Chadari à cause d'un ministre intérieur, à cause de la tête secrétaire. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut renouveler la classe politique. Mutalina comme ma présent et puis qu'à l'obio, son mutafino maman nous ont sapé maman et mutabonga kambamboka. Chadar à l'obatio, si on arrête Yuma, nous allons déstabiliser le pays. Mais moi, la moitié à 25 ans, botte les passeports. Yemen à Kingaka, à l'obé l'autre côté, Jina Kabamba, il y a des gemmes.
Vous savez ce que Chadar a fait comme dépôt, parce que moi je suis le procureur général de l'UDPS. Je maîtrise les droits. Et loko Chadar a l'obana, et ça n'a droit à Benga Kango, c'est la de s'auto-saisir dans le dossier, qu'on puisse interpeller Chadar et qu'on lui arrête à l'immédiat. Et puis, au moment où je vais siéger, je vais mettre sa premier président. Ah, Nzambe Nangaï. Maman Jeanne, vous êtes tellement belle, vieille, le Havre na kati ya France. Bobeng sanga na France pour tout décortiquer ma mbebele. Au moment où je vais siéger, bako sala nini. Conscience de l'obanine, ceux qui m'ont abîmé président de la République et qui ont la majorité, il faut nommer un formateur. Un formateur qui a identifié la majorité, la carte de la majorité n'a pas été premier ministre. Mais Fatih n'avait pas nommé un formateur. Il a dit que la majorité est fabriquée. Parce que le cours constitutionnel, cette majorité n'est pas conforme à la Constitution. Automatiquement, le président Fatih, l'aigle politique, il doit nommer un formateur. Tout le monde est un formateur. Il doit nommer un formateur pour aller identifier une nouvelle majorité. Majorité, il y a un nang à fabriquer à Boué. Il y a un nang à comprendre que ma béza est belé, belé, la robéta. Mon numéro déjà, okay. Plus 243. Ah, dédicace aussi, hein. Merci beaucoup. Plus 243 84 101 3209. Plus 243 84 101 3209. C'est le procureur général près le peuple de l'UDPS. Parce qu'à l'UDPS, on défend le valeur, on ne défend pas les individus. Fatih peut faire 2-4 mandats, Fatih peut passer. Mais l'UDPS restera au pouvoir. Pourquoi? Parce que la conservation du pouvoir, c'est une règle légitime dans le texte. Dans celle de Jambo Temakasi, dans Maman Angèle Makangu, Maman Angèle Makangu, dans le Château Rouge, dans Paris, le grand modéliste. Merci beaucoup, Maman, grand pays Washington. Maman Angèle Makangu, merci beaucoup na ozalaka na Lambert de Paris à Victoire na zo koli et puis na pesi mbote na maman Jackie Makese mponi na kata Paris ba mère na soke na poto depuis 85 je la mona Fatih donc yaza dike na kala Fatih dika ya kala et puis na pesi mbote makasi na papa Sam na kati ya New York na etapona biso to Hollande na matin na ba New York pourquoi c'est pengé ba Hollandete pour e penga za ne loko e sa pose population procureur général Daniel Safou ba Hollandete. Je biso parce que moi je représente les combattants de l'UDPS. Bazola n'angatie pas vieux Adonis na kata Canada. Donc nous sommes suivis et pas vieux Benvenu de Pexel Angola France. Je suis suivi et pas vieux Desmet n'est pas na kata Bilbao et puis maman Jeanne na kata Belgique. Baza tellement et puis la maman allemande na otanga komboté. Merci beaucoup. C'est le procureur général. Bobeng en contact. Merci procureur général. Merci Nabino Balandia, Jecam Télévision. Merci Boaké Bélé, Boaké Scotché, branché pour la Kwanabiso. Aimé Kongolo, Mibeko, président fédéral, il y a AVC Washington, États-Unis. Léopold Makambo, président fédéral, il y a AVC en Allemagne. Papa Langa Jean-Jacques Bozi, le consul le plus suspect. Et Papa Langa Gérard Kabeachovo, Aimé Kongolo, Mibeko. Tani bongo basango ezoya bokoto 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 bo aimer bo liker bo commenter bo partager parce que bilenga politique yande awa na Jecam Télévision bye et à la prochaine.